Ah, ça c'est une pierre molle. Il y en a plein ici parce qu'il pleut souvent. Alors les pierres elles se remplissent d'eau puis elles deviennent toutes molles. Ah non, celle-là elle est verte parce que c'est moi qui ne l'ai pas en vert. Parce que le vert c'est ma couleur préférée. On s'en fiche. Ils appellent ça un ballon dans la région. Un ballon, voilà, c'est bien. T'as trop autre chose parce que ça a l'air un peu pas. Donc aujourd'hui, nous allons lancer une pierre molle appelée ballon dans vos régions. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, moi mes châteaux sont devenus bons aussi. Appelez ça. Ah bah si, bah si, l'intérêt, c'est que vous allez voir fonctionner l'engin. Hein ? Ça tombe bien, on le cuire avec les deux mains. Voilà. Alors attends, ne tire pas tout de suite, j'ai un petit réglage à faire. Tire pas maintenant, hein. Ah, parce que si elle tire maintenant, c'est pas drôle. Alors, oui, ça peut être drôle, mais avec quelqu'un d'autre. Alors voilà, donc dès qu'il y a le ballon qui fait ça, normalement il décoiffe le premier, et puis la routine est quand même. Voilà. Il va peut-être y avoir des. Voilà, alors dernière consigne de sécurité, reculer de deux pas. Hein ? Non, pas toi, la corde est trop courte. Un casque, c'est bien. Est-ce que tu es prêt ? Oui ? Alors tu vas tirer de toutes tes forces vers toi en reculant. Vas-y, tire ! Oui ! Donc les Anglais, qui ont des palissades, ils vont nous jeter des flèches. Ils vont nous jeter des carreaux d'arbalète. Ah mais pas seulement, hein. Parce que des fois les godons, ils nous jettent leur nourriture. La nourriture anglaise, y'a rien de pire. Ah non, bah, je vous conseille surtout qu'il y a les flèches, manger les flèches et puis digestes. Mais là, vous avez bien compris, on est à l'abri, y'a rien qui passe, hein. Pas une flèche, pas un pudding, rien. On est bien là, hein. Donc là on va pouvoir armer ça en toute sécurité. Et c'est long armé une bombarde. C'est pas le trou qui est trop petit, c'est le boulet qui est trop gros. Ce qu'il faudrait c'est de les grossir un peu sur les côtés là. Mais bon, on va se contenter de ça. Vous imaginez là, le boulet, hein, on l'a bien mis la bombarde. Et ben c'est pas terminé, parce que regardez bien. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est dégager le petit trou là. Hein, c'est un petit trou qu'on appelle la lumière, c'est un trou qui va juste dans la chambre des policiers. On va remplir ce trou de poudre noire mais plus fin. Je tire sur la corde. Le mantel se lève, j'applique une étincelle de feu au contact de la poudre, ce qui provoque une explosion. L'explosion chasse le boulet. Hop là ! J'ai dit l'explosion chasse le boulet ! Hop ! C'est moi, le boulet. Oui, et donc, oh, j'ai dit l'explosion chasse le boulet, donc le boulet il passe ! Tu passes, dépêche-toi, c'est lourd ! Voilà, le boulet il passe, le boulet il part très 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 loin, et le boulet il ne revient jamais. Non, je suis là. Hein. Bon, et regardez. Et moi, je fais quoi, moi? Comment ça, je fais quoi, moi? Bah, je fais rien, là. Bah, tiens, toi, t'es coup de feu. Ah, voilà. Il est juste. Il est costaud, il est coup de feu. Voilà. Bon, ça, c'est. Je me rappelle plus. Je vous ai dit qu'il y avait une explosion ou pas, je me rappelle plus. Oui. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une explosion. Oui, c'est quelque chose de moderne, l'explosion. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est moderne. Ça fait. Non, c'est pas boum. C'est un autre. Si, c'est un petit peu comme si la foudre venait frapper à vos pieds.
Non, c'est pas. Non, voilà, je vais expliquer autrement. C'est en fait un son horrible va sortir de la gueule de la bombarde. Un son qui va remplir l'atmosphère. Hein. Et ce son, il va tenter de rentrer dans votre corps pour corrompre votre âme. Hein, bah, il faudra vous en protéger. Alors, la meilleure façon pour s'en protéger, bah, c'est de se boucher les deux trous de chaque côté du teston. Okay. Et, comment on appelle ça, les feuilles de chou, là, les escourbes mais... Les oreilles, voilà. Alors, vous allez bien vous boucher les oreilles. Comme ça. En plus, ils t'entendent plus dans les oreilles bouchées. Voilà. Ah, attention. Prêt pour un tir ? Prêt ? Coup de feu ! Allumez ! Allumez ! Allez ! Oh ! Et ! Et ! Oh ! Et ! Je suis là ! Oh ! Bon, alors, s'il y en a, je demande pourquoi la guerre a duré 100 ans. Je suis perdu, vous avez une réponse. Ah, bah oui, les yeux. Il ferme les yeux, forcément. Oh ah, hey. Est-ce que tu m'entends? Non. Voilà. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Alors, très bien. Alors, toi, tu es bout de feu. Oui, c'est moi. Ouais, tu as une pomme là, tiens. Hop là. Alors, puisque tu es bout de feu, toi, tu dois. Tu dois pousser le feu. Ah. Et vous vous bouchez les oreilles. Allez, attention les enfants, tout le monde se bouche bien les oreilles. Attention, bouge fort. Allez, voilà. Les oreilles. Voilà. Comme ça fonctionne. Donc, là, ils ont compris. Voilà. Thank you.
Excusez-moi, monsieur.